que je fais un 360 sur une route comme ici, sur une route normale, je peux les faire jusqu'à 150 km/h en sécurité. Mais quand je suis sur un circuit comme à Montmélo, là on peut faire à 200 km/h. Alors je me mets au milieu centre de la piste, un peu à centre-esquerde et à gauche, et je braque à droite un peu, et après violemment, très fort, braque à gauche d'un coup, et je tire le frein à main. Je tire le frein à main, les roues avant sont braquées à gauche, la voiture part comme ça. Là je débraye, la voiture part en marche arrière, et là je braque les roues de l'autre côté. C'est-à-dire, d'abord je braque à gauche, quand la voiture est comme ça, je braque les roues de l'autre côté, je débraye, la voiture part comme ça, les roues avant sont comme ça, et arrivé face au stand ou aux maisons, je rebraque les roues à gauche, je mets une vitesse, et j'accélère et je pars. Donc normalement c'est comme ça, comme ça, comme ça, et hop, voilà.